J'ai déjà fait toutes les formalités. Demain, vous signez et le lendemain, on vous donnera les passeports. Je vous ai apporté quelques vêtements. Et ta sœur ? Sortie. Maria José, je sais que tout ça a été très difficile, mais ça va passer. Quand on sera aux États-Unis, je t'achèterai des habits très luxueux. Ça fait longtemps que tu ne m'as pas embrassé. Maria José, je t'aime. Je ne t'aime plus. Je ne te crois pas. Tu le dis pour me punir. Tu as raison, mais je suis vraiment désolé. Pardonne-moi, s'il te plaît. Laisse-moi. Laisse-moi. Ne sois pas méchante. Tu ne sais pas combien j'ai souffert en voyant que ce malheureux profitait de toutes les occasions pour te toucher. Comme s'il avait des droits sur toi, étant donné que tu es à moi. Rien qu'à moi. Non ! Je ne suis ni à toi ni à personne. Comprends bien, Bruno. Entre nous, c'est terminé. Et si j'ai accepté ton aide, c'est parce que tu m'as obligé. Mais dès que nous serons aux États-Unis, je vais chercher du travail. Non, ce ne sera pas nécessaire. Nous serons ensemble. Maria José, je t'aime. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Mais tu t'es bien laissé toucher par Alexandro, n'est-ce pas? Eh bien, enfin, tu as apporté quelque chose à nous mettre. Et pour papa? Rien. Allons manger quelque chose. Je n'ai même pas petit déjeuner. Où tu vas nous emmener? Nulle part, on mange ici. Changez-vous. Voilà qu'il est radin maintenant. Au lieu de manger dans cette espèce de taudis, au moins, il aurait pu nous emmener dans un endroit décent. Choisis tes vêtements. T'es parti, papa. En plus, il a pas du tout d'argent. Et comment l'as-tu localisé? Son père m'a parlé. Et ils sont où? Dans la capitale. Avec Bruno? Je pense que oui. Et si c'est le cas, qu'est-ce que tu vas faire, Fiston? Je sais pas, maman, je sais pas. S'il te plaît, je t'en prie, ne va pas commettre une bêtise. La bêtise, c'est lui qui l'a commise. Peut-être. Mais n'oublie pas que c'est ton frère. Pendant des années, j'ai essayé de le voir comme un frère, mais il n'a jamais voulu de moi. Maintenant, il est trop tard. Alex! À bientôt. Maman, qu'est-ce qui se passe? Il a retrouvé Maria José. Où ça? Elle est à Mexico. Il va la chercher, l'emmener ici? J'imagine. Mais comment il a pu avoir perdu sa dignité, son orgueil? Pourquoi il ne la laisse pas aller en enfer ou ailleurs? Je m'en fiche! Maman, s'il te plaît, tu dois le convaincre. Toi, il t'a toujours écouté. Cette femme ne peut pas revenir ici. On ne devrait pas la mettre. C'est humiliant que tu nous imposes toujours sa présence après tout ce qui s'est passé. Imagine quelle sorte de femme c'est pour impliquer Bruno ainsi. Et le fait qu'elle ait agi comme elle l'a fait, maman. Je te rappelle qu'ici, c'est la maison d'Alexandro. Toi, tu as eu ton héritage, mais tu as dilapidé les propriétés que t'avais laissées ton père pour payer tes dettes et tes gaspillages et ceux de ton mari. Si cet homme avait été mon père, il m'aurait aussi laissé des souvenirs d'amour, maman! Quelle mémoire courte tu as! Et si tu le penses pas, dis à Roberto de chercher du travail et vous déménager ailleurs et ça ira!